Et cucu YouTube et bienvenue pour cette rediffusion Twitch du Not So Berry. Alors bien sûr, oh punaise, j'en peux, les tapis ça m'énerve. Ils vont déjà se coucher parce que on est en pleine nuit et on avait eu la très très bonne surprise et nouvelle l'épisode dernier puisque Pulco fait partie, ça y est, il a été recruté dans la société secrète. Donc eh ben il va devoir faire pas mal de choses aussi donc ça. Ça va nous rajouter encore plus de challenge, surtout à moi, parce que c'est moi qui devais tout me taper. Faire une offrande, alors il va falloir choper de la nourriture, s'occuper de la, faire une offrande d'un métal. Alors il faudra que je chope un métal et que je fasse des offrandes de nourriture. Donc ça, il faudra y penser. Et ce sera pour vendredi soir. Non. Mercredi soir. Et nous sommes dimanche. Ok. En attendant, il a tiré son coup avec Nathalie, je crois qu'elle s'appelle. Nathalie Jolie, hein, qui est froide et paranoïaque. Magnifique. Et que bah, j'ai quand même envie de prendre pour génitrice de la génération d'après. Je pense qu'on va vraiment pas tarder parce que bah, lui, il va pas en rajeunissant. Hein. Voilà. Et elle est toute jeune adulte. Donc on va bientôt se la mettre pas au lit parce que ça a déjà été fait. Enfin non, on n'a pas mis au lit. On l'a mise dans la douche. C'est différent. Mais on va commencer à lui faire des gosses, quoi, je pense. Je pense que ça va être assez rapide. Donc elle va venir emménager et tout. Et alors pour les études de Bordeaux, ça va être. De Pulco, ça va être quelque chose. Hein. Parce que j'ai pas fini alors avec les gamins et tout. Et puis elle aussi, elle est à l'université, quoi. Je sens que ça va être une vraie galère. De tout faire, plus les compétences, ça va être quelque chose. Il existe des baignoires pliantes gonflables si tu as une grande douche. Sérieux? Ah bah non, j'ai une douche, j'ai une petite douche quoi, enfin une douche normale. Salut Adrien, comment tu vas? Bon, bah voilà, c'était le petit résumé. Maintenant, on va attendre que tout ça se lève. Alors on est dimanche, bah voilà, Bordeaux, il va faire sa life. Hein. Il est grand. Il est grand et il est vieux, regardez-moi ça. Il est tout courbé, il est tout dégueu. Ah, il a perdu de sa superbe Bordeaux. Hein. On fantasmait tout dessus, maintenant on dit, non. Voilà, hein. Il était beaucoup. Ouais, il était très beau. C'était un Sims qui était vraiment très très beau. Il ne l'est plus. Ça arrive. Maintenant, c'est Pulco qui prend sa relève. Et Pulco, et aujourd'hui, il va bosser. Il va bosser sur ses compétences. Hein. On a pas mal de choses encore à faire. Je vous rappelle qu'il doit toujours arriver au niveau 10 de bricolage. On est quand même niveau 7. 7,5. Ça, c'est cool. On doit aussi arriver niveau 10 fulosi. On est quand même niveau 7,5 aussi. Ah, mais ça va en fait. Je pensais que j'étais plus dans la galère que ça. Et en logique, par contre, on doit arriver au niveau 10 aussi bah, avec l'aspiration. Et là, on en est loin. Bah, je pense qu'il va faire de la logique aujourd'hui. Parce que c'est là où il est le moins avancé. Après, c'est l'aspiration. Donc. Bah écoute mon petit, voilà, on va te donner quelques petites directives. Tu vas manger un gâteau au chocolat. Arrête de te téléporter, ce serait sympa. Puis voilà, personne ne fait la vaisselle, c'est magnifique. Coucou Hope, comment ça va? Bon néné. Ouais, bon néné. Ils sont là mes nénés, moi. Salut Angel, comment ça va? Peter Boudéné, meilleur bœuf. N'oublie pas les devoirs. Oui, les devoirs, je crois qu'on les avait bossés. Non, on n'en a fait qu'un. Merci, Nami. Heureusement de me rappeler. Je pensais dans ma tête que j'avais tout fait, mais pas du tout. Ok, mon petit, tu vas aller faire pipi. On n'a pas eu de mise à jour, là, hein, pour la douche. C'est pas grave. Je verrai vite si. Mais non, c'est bon le lavage de main. Oh, qu'est-ce que ça m'agace. Je vais l'enlever, hein, ce truc. Non, ça fait rien du tout. Allez, casse-toi. Casse-toi, tu vas bosser. Donc, alors, les cours. Dans 24 heures. Donc, ça, il l'a fait. Alors, le lundi, il y a celui-là. Pas commencé. Gravité de la relativité générale. Allez, on va commencer par ça. Pendant ce temps-là, regardez. Les vieux. Ils se font un bisou, les vieux dégueulasses. Oh. Bah oui, maintenant, elle a rejoint le foyer, hein, la petite Macy. Et voilà, et puis elle est vieille. Elle est toute sèche. Voilà, on va bosser. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Vas-y, on s'en fout.
Qu'est-ce que c'est ça? Placé dans le monde. Ah, c'est une piste de danse en carton. Bah, ça nous intéresse, tiens. Et vous parlez pas à votre fils, hein? Attendez. Je prends Bordeaux pour le fils, mais je me suis trompée. Ah, elle a mal vieilli. Hein. Oh la vache. Oh la vache. En termes de vieille peau, Malélène, par exemple, c'est la plus belle des vieilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la plus vieille. C'est la plus vieille. C'est la plus belle. La plus vieille. C'est pas la plus vieille. Hey, je t'ai dit quoi? Parle pas. T'iras pisser après. Là, je suis la grappe. Lui, il va les glisser. Tu vas te casser le col du fémur, papy! Voyons, enfin, non, t'es pas encore papy. C'est vrai, il est pas encore papy! Parce que Pulco, il a pas encore planté sa graine. Bon, il va pas tarder, hein. Tu vas faire au moins ça. Ensuite, t'inviteras Cocotte la joie, là. Voilà, tu l'inviteras. Tu lui foutras une plante, tu lui planteras la graine. Et on la fera emménager que quand elle accouchera. Il retombe en enfance, c'est ça. Salut Almerine, comment ça va? Quand on arrive sur le chat, sans le contexte, ça parle de néné, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Bon, bah, tu sais. Hein. Il me faut pas grand-chose, moi, pour parler de néné ou d'autres choses, hein, ou de saucisses, hein. Tout va bien. J'ai l'emploi du temps de ministre, mais j'ai trouvé 5 minutes pour souhaiter meilleurs vœux. Oh, t'es trop mignonne! Chouchoubi à toi, hop! Gros bisous. Alors, il faut savoir que moi, je souhaite pas la bonne année. C'est justement parce que je le souhaite tous les jours que tout se passe bien pour vous. Voilà, et pas qu'une seule fois par an. Voilà, c'est ça. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Le smiley boule. Ah oui, le smiley boule. D'accord. Très joli. Mais c'est à vous de me dire si vous voulez que je fasse la filiation Twitch. Parce que si je fais la filiation Twitch, ça permet donc de faire les sponsors Twitch, en fait. Et débloquer les smileys et les points de chaîne et tout le machin. Voilà. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Moi honnêtement je l'ai pas mis en place parce que j'y a déjà YouTube et que je veux pas paraître pour une rapia qui prend des sous partout en fait. Donc voilà. On va dire que ouais, c'est vous qui me dites si vous voulez. Regardez-moi comme elle est mignonne! Regardez-moi comme elle est mignonne. Bien sûr, hein, elle sera relookée une fois qu'elle sera dans le foyer. Hein. Elle est très mignonne. Alors, tu vas la draguer. Mais il faut qu'il. Regardez, il va arriver au niveau 4 déjà. Voilà, niveau 4. Allez, c'est bien. Va tirer un coup maintenant. Elle est où? Pff, elle va jouer dans les ordures. Elle va jouer dans les ordures. Tu vas aller draguer. Tu as planté ta petite graine. Voilà, c'est bien ça. Alors, draguer. Demandez de sa petite amie, déjà, parce qu'on ne plante pas sa petite graine comme ça, les enfants. Hein. Faut avoir des fondations solides. Hein. La parano. Complimenter l'apparence. Oh, Yebs! Trop mignon. Voilà, ils sont petits amis. Allez, tu vas lui rouler un gros patin. Oh là là. Oh, c'est beau. Demande en mariage? On va voir, on va voir. Réalisé sans envie de Sims. Hein? D'accord. Allez, un petit bébé. Faut que tu mettes la descendance en route, la Pulco. Hein? Ça ne va plus. Hein? Sinon, ton père, il connaîtra jamais ses petits-enfants. Déjà que c'est un peu chaotique dans la famille depuis le départ. Allez, un bébé pour Pulco! Un bébé pour Pulco! C'est quoi déjà la génération d'après? C'est Prune, je crois. C'est tellement vrai en vieillissant. J'ai vu ça sur Gilbert. Gilbert? Gilbert Montagnier! Oui. Alors vous étiez pas là au live du Nouvel An sur Twitch, mais on a bien chanté, et on a bien dit des bêtises. Et on a bien rigolé surtout. Le pire, c'est que certains n'auront jamais quitté l'enfance de toute leur vie. C'est ça! Alors, il y a des enfances qui sont positives et d'autres qui le sont négatives. En fait, il y a des comportements que tu peux concevoir, tu vois, mais à partir d'un certain âge, il y a des comportements que tu peux plus, tu vois. Allez, tu remets ça. Allez, hop, on change de côté. Mais on marque un but, encore une fois. Enfin, on essaie. Là, cette fois-ci, hein, on avait dit, tu tires, il a marqué un but. Mais pour l'instant, il tire. Le but n'est pas encore marqué. Niveau 4 de fitness, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se tuer? Ah non, elle glisse aussi. D'accord. Bah écoutez.
Mon pulco, après, tu prendras ta douche. Elle en peut plus, elle. Allez. Mais Bordeaux. Bon, ouais, il va manger. Alors, est-ce que tu as la gerbe? Parce que si tu as la gerbe, ça veut dire que t'es enceinte. Suspense. Ah, elle va faire ses devoirs. Une maman étudiante. Par contre, je suis sûre que si je la récupère, moi, dans le foyer, elle aura zéro et tout. Non, de toute façon, je lui ferai quitter ses études et elle prendra un taf. Hein. Moi, il est hors de question que je gère deux personnes. Hein. Je gère deux personnes comme ça, avec les études et tout, c'est trop compliqué. Lui, ça va, ce qui est tout seul, mais là, j'ai déjà trois personnes dans le foyer. Elle et le gamin, ça fera 5, ça risque d'être chaud. Hein. Alors, t'as pas fait ta disserte? Et on va faire ça. On va faire la disserte et tout là. Il n'y a pas moyen, faut qu'on avance. Ah, j'avais déjà commencé? Attendez, je sais plus, hein. Mais elle était pas là, la dissertation. La présentation. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Dans ma tête, c'était clair et net. On l'avait faite, mais là je savais plus. Je savais plus où elle était, j'ai eu peur. Comment t'as fait pour la société secrète? T'as pas regardé l'épisode précédent, Sweetson. Je suis déçue. Je suis déçue. C'est gris la prochaine génération. Ah, c'est gris! Ah zut, des jumeaux pour Pulco, des jumeaux pour Pulco. Mais grave, Alexa, mais moi j'aime bien avoir des jumeaux. C'est galère, mais j'aime bien. Tu fais comme tu veux, mais peut-être qu'avec YouTube t'as plus de visibilité, car quand ça marchera avec Free et Google. Avec Twitch. Oui, ah oui, c'est sûr. Bah pour l'instant ça. Bah écoute, de toute façon je lâcherai pas Twitch, hein, parce que franchement, je passe tellement de bon temps sur Twitch au niveau des lives. Bien sûr, ce n'est pas contre personne sur YouTube. Hein. Merci Captain pour le host. Mais je continuerai live sur Twitch. Tout ce qui sera la cool, de faire des délires ou d'autres jeux, je ferai sur Twitch assez clair et net. Je sais, c'est là où je me suis arrêtée parce que j'ai eu des triplés que j'arrivais plus à gérer. Ah tu m'étonnes, Elisa. Dans la cuisine. Ah bravo, ma grand-mère, tu te souviens. Il a fait la présentation déjà, mais je sais plus si elle est excellente. Non, non, mais vous avez une bonne mémoire, meilleure que moi. Donc, une fois. Ça y est, elle est normale. Tu. Pourquoi elle est juste normale? Arrête! Non, alors. Continue. Continue. Moi, je veux pas d'un truc normal. Je veux un truc exceptionnel. Arrête! Oh, mais Bordeaux, hein. Ça suffit, hein. Regardez, il a failli crever ce con, niveau de fatigue. Mais arrête de faire des bêtises aussi, Bordeaux, là. Et toi, boss? Elle est où, Cocotte la joie? Niveau 6 de la robotique. Mais il est magnifique, ce garçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben non, c'est les vieux. Elle est partie? J'ai pas fait attention si elle était partie. Ah non, elle est là. Est-ce que t'as la gerbe, ma petite? À votre avis? À votre avis? Elle est en cloque ou pas? Ouais, ça s'en va. Là, elle est fatiguée, elle veut dormir. C'est honnêtement, les bulles et tout, ça aide hein, sur savoir ce qu'ils veulent. Mais vraiment, quand c'est des PNJ qu'on contrôle pas, on est bien. C'est pas grave, on la réinvitera. Après, je peux très bien savoir si elle l'est avec le MC Command Center, mais. Ça va me dire aussi de qu'est-ce qu'elle a quand dans le bidou, si c'est fille ou garçon, donc. Pas de triche! Promis, je triche jamais. Ça veut dire quoi, hosting sur Twitch? Ça veut dire que sur la chaîne de Captain, quand tu vas sur son compte, eh ben, c'est mon live qui est diffusé. C'est trop cool, Twitch, vivement le prochain blind test. Grave! Il va mourir avant l'heure, Bordeaux, mais c'est ça? Alors, c'est toujours normal. Ah non, tu bosses là, allez! A l'air fantastique! Ah, elle est excellente. Bon, c'est pas grave, il va encore peaufiner. Bah, voilà, je veux dire, la génération d'après est quand même lancée et on continue à faire des études. Bah, oui, sinon il ressort, il a 50 ans, le pauvre. Faut qu'on atteigne le niveau 10 de la. Ah! De la carrière, hein! Pour l'instant, on n'y est pas. Lui, il fait ses abonnés, lui, très bien. Excellente. Ok. Bah, tu vas manger si tu veux. Tu fais quoi? Non, tu nettoies pas. Oh non, et Bordeaux, Pulco. Elle est excellente. Allez, tu vas la mettre dans l'inventaire.
Tu vas être lavé. Il est tard et tout. On a rien fait. Il faut qu'il fasse ses devoirs. Tu l'as récupéré? Ouais. Tu vas faire les autres devoirs. Attends. Parce que les autres devoirs du lundi, là. Ça. La gravité et la rela... Ah, mais si, il l'a déjà fait. La disserte. Alors, il va faire la disserte. Ça n'arrête pas. Travaux universitaires. Hein, modifier. Elle est médiocre, donc oui, on va la modifier. Ah non, mais punaise, toi, casse-toi, ta... Dégage! Dégage, va là, je m'en fous. Dégage! Grosse vieille mère de... Ouais, je me suis énervée, hein. Comptez les nombres de fois où je m'énerve. Salut Quentin, comment tu vas? Mais oh, tu casses les couilles, mais va te faire foutre, sérieux, va là-bas. Dégage. Toujours de l'amour. Toujours de l'amour pour les Sims. Tu pensais à qui? À ta mamie? Allez, fais ta disserte. Après, tu l'envoies tout de suite. La présentation, c'est fait. La disserte, ce sera fait. On n'a juste pas avancé sur ses compétences. Donc ça, c'est un peu chiant. C'était l'objectif et on y a pas réussi. C'est bon? Oh là là. C'est long. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est super long, du coup. Pulco satisfait de sa dissertation. Alors, on va aller voir ça. Université, travaux universitaires, dissertation, qualité exceptionnelle. On va la remettre. Eh, tu la remets direct, on s'en fout. Ça c'est fait. Tire à pisser après. Voilà. Un petit chou. Voilà, ça c'est bien. Tu vas me faire un peu de. Il est quelle heure? Tu vas me fabriquer un meuble. Allez. Il est pas trop tard. Si on... Oh non, j'en ai marre. Eh, ah, vas-y. Parce que j'en ai marre. À chaque fois, je râle. J'aime bien aller vite sur cette partie en plus. Voilà, il n'y a plus d'évier, ils me casseront plus les pieds à se laver les mains et à prendre de l'eau. Hein? Voilà, c'est ça. Comment? Voilà, 2020, on réduit le stress au maximum, on enlève les éviers dans les Sims, si ça va mieux. Comment tu t'es retenu? Mes grands-parents ont la fibre. Eh ben, moi aussi j'ai la fibre. Casse-toi! T'es sérieux? Va niquer avec ta vieille là. On s'en fout si vous crevez. De toute façon, va faire une sieste, je m'en fous. Si vous crevez, je m'en fous! Royal, parce que j'ai fini la génération rouge. Dégage, Bordeaux! De l'amour pour les Sims, de l'amour, de la compassion! Et ouais, alors j'espérais avoir le niveau 8, mais. C'est à quelle heure qu'il a cours? À 8 h? Tu iras te coucher. Allez, va dodo. On aura avancé un peu. On a fait la disserte, on a fait la présentation. Mais au niveau. On n'a pas gagné grand-chose derrière. Je m'enregistrais hein, au cas où ça plante. Fou! Ça va faire plaisir à ta grand-mère. Les pauvres rouges. Ah, attends, c'est bon, la génération rouge, elle est finie. J'ai plus rien à faire avec eux. Donc, ils peuvent mourir, je m'en fiche. Non, mon petit Bordeaux, quand même. Ce serait triste. D'ailleurs, comment va ta sœur? Attendez, on va aller regarder. L'arbre généalogique, pour l'instant, il est petit. Oh, pas si petit que ça, hein. Le temps que ça. Ah oui, parce qu'il y a les parents. Il y a déjà les grands-parents? C'était 7, il avait. Oh, il avait déjà tout ça, lui? On va prendre Pepper, hein, parce que c'est de là qu'on est parti. Oh la vache! Mais Jonathan, il a un enfant déjà? Nathalie? Bah, comme par hasard, c'est toujours le même prénom. Alors attendez. Coquelicot a eu 3 enfants. Elle a eu Jonathan, évidemment, qu'on avait nommé Sophie. Et Julien. Elle a eu 3 enfants, elle est devenue vieille aussi, et Jonathan a déjà un enfant. Ok.
Mais du coup, qui c'est qui les a portés? C'était elle, il me semble, non? Qui c'est ça? Ah, c'est ses sœurs. Ah, c'est chelou. C'est chelou, j'avais jamais vu. Bref. Voilà. 2020, c'est l'année de la noyade des Sims. Bon, dis donc. Bah, ah si, il y a une piscine, j'ai oublié. Bah, peut-être qu'il ira soigner dans la piscine. Ah, ces Sims cassent trop les pieds, c'est ce qui va leur arriver aux deux vieux. Hein. Tu t'ennuies, Bordeaux? Est-ce qu'il y a des trucs à acheter? Non. Mais tu vas si, là, tu peux préparer un grand repas, là, tout fou. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Si tu t'ennuies, tu fais à bouffer, hein, griller. Les haricots saucisses, tiens. Hop. Les fameuses saucisses. Niveau 9 de la cuisine. Des fois, j'ai plein de Sims qui arrivent à un niveau 10 de cuisine, alors que, franchement, ils font juste à manger pour qu'ils puissent manger, quoi. Ça me fait rire, parce que c'est pas un critère qui est demandé, mais je trouve qu'il est très facile à atteindre. Ah, la vieille aussi élevée. 5h du matin, ça se lève comme les poules. Pendant que notre petit pulco fait gros dodo. Puis il va avoir faim. Tant mieux, comme ça il pourra se lever, il mangera direct. Regardez, il a déjà tout bien dormi, il va pouvoir se lever super tôt. Je vais le faire lever au moins 6 heures là. Un petit peu plus. C'est très tôt quand même, 6 heures du matin, ça va pas. Très tôt ou très tard, ça dépend si on s'endort à cette heure-là ou si on se lève. Hop, tu vas me faire une, vas me prendre une portion là. En 1h30, t'auras quand même le temps de manger. Hein? Hein, Gaston? Allez hop, il a encore eu des abonnés, lui, c'est bien. C'est Papy, il aime bien s'amuser sur son réseau social, sur son Twitter, tu vois. Papy président. Tu vas faire pipi. Ah, il emmène carrément son assiette avec lui. Ah ouais, carrément! Elle est en train de tenir sa saucisse d'une main et l'assiette de l'autre. Il remange après que sa main. Oh, les gros dégueulasses. C'est vraiment des gros dégueulasses, ces Sims. Regardez. Ah non, ça va. Heureusement, il a la fourchette, hein, mais ça reste quand même pas très très clean, hein, tout ça. Alors, il a cours dans pas longtemps. Tu vas venir là. Vas-y, tu peux finir de manger tranquille. Reviens ici. Mais va en cours? Pourquoi l'action s'est annulée? Allez, va en cours, mon petit. Mais Pulco, Bordeaux, je lui ai pas fait prendre sa retraite encore. J'avais complètement zappé. Enfin, tu vas aller chez les bottes du patron. Alors, c'est toi le patron, mais bon, c'est pas grave. On va lui faire prendre sa retraite après, alors, ouais. Après, ça veut dire aussi qu'il va être là tout le temps. C'est chiant. Les haricots saucisses qui font péter. Si ça va pas comme ça, tant mieux, hein, ça fera de l'ambiance. S'il y a le temps, fais-lui bosser la logique. Je sais, Nami, je sais. Bonsoir, comment ça va? Eh ben écoute, Mina, ça va très bien et toi? Excuse-moi, j'ai bugué. Il fait très tanguy à vivre avec ses parents et avoir des affiches de Star Wars et des graffitis au mur. Oui, mais il est passionné d'astronome. Il veut être astronaute, tu vois. Bon, il a encore ses Pokémon, j'avoue, et son truc. Ouais, mais c'est des souvenirs de sa mamie et de son papy, parce que c'était ses seuls vrais amis, et que, bah, et bah voilà. Et quand il était petit, il restait nostalgique de ça, hein. Donc, toi, ça, c'est des trucs que sa mamie, elle a récolté. Et ça, c'est un truc que je sais plus qui a fait aussi, tu vois, c'est les fusées. C'est les souvenirs de sa mamie. Et il m'a quand même cassé le PC, cet enflure. Salut, merci beaucoup, Mina, pour le follow, et bienvenue à toi. Eh ben écoute, non, bah non, c'est Pulco qui va réparer. On s'en fout. Ouais, bon. Gain de performance moyen. Je vais faire, parce que comme il doit améliorer son bricolage, eh bien je le ferai réparer. Je vais planquer pendant ce temps-là le tofu. Il devait pas faire... Ah si, il est là, l'haricot saucisse. Ok, Pulco est rentré. Pulco est rentré. Les prochains cours sont à quelle heure? Dans 3 minutes. Mais après, on est tranquille. Après, je l'enverrai faire sa présentation. Aussi. Ça va être bien. Ça, on y arrivera facile. On va réussir à gérer comme il faut, vous inquiétez pas. Bon, d'accord, ça va. Alors, c'est de la nostalgie. Oui, il est très nostalgique de son enfance, tu vois. Ses souvenirs de sa mamie qui est partie trop tôt. Sa mamie, elle est décédée au pied du lit de son fils, donc de Bordeaux, qui est donc le père de Pulco, de lui.
Juste avant que Pulco devienne enfant. Donc ça remonte à loin, mais sa mamie, quoi. C'était sa mamie, elle prenait soin de lui, il lavait les fesses et tout. Donc tu vois, c'est. Salut Céline! Encore une Céline! Oui, après, c'est vrai que je sais. Mais après, c'est pas dit dans le challenge qu'on peut déménager. Moi, pour moi, on doit scoltiner les parents ad vitam aeternam, je crois, jusqu'à temps qu'ils partent, en fait. C'est pas clairement dit dans le challenge de dire, bah voilà, vous pouvez déménager. Par exemple, quand voilà, la génération rouge est finie, vous pouvez déménager dans un autre terrain avec la génération jaune, c'est pas dit quoi. Donc bon, pour l'instant, je les garde. Au moins, ça fait une occupation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les glisser encore. Vas-y, va glisser. Faudrait que Marie, elle arrive et te voit glisser là. Et boum! Allez! Rendez-vous à l'hôpital! Vieille peau! Oh, ça c'était beau. Ça c'était beau. Alors, il y a 4000 simflouz de factures à payer. Écoute, vu que toi, t'as rien à faire de ta vie, tu vas payer les factures. Il y a toujours le bruit de l'ordinateur qui est cassé, mais ça, j'attends que Pulcote revient. Ouh là là. Voilà, il est revient du justement. Alors, je suis désolée, on va te faire bosser, hein. Il me semblait qu'il était incassable celui-là. Récupérer les pièces, réparer. Allez, tu vas réparer. Il vaut quand même très, très, très beaucoup. C'est pas celui-là qui est incassable, alors je sais plus c'est lequel. Voilà. Bon, écoute, je joue, t'as raison. Éclate-toi, ça te remonte le divertissement. Et après, mon petit O, tu vas aller faire ta présentation qui est excellente. Robot de terre, de mer et de ciel. Faire sa présentation. Allez, mon petit, tu vas bien travailler. Comme ça, ce sera fait. Rendu la disserte, faire la présentation. Il y a juste les cours et les devoirs à faire. Et on sera tranquille. Ah bah, du coup, t'es. Profiteuse. Profiteuse. J'ai oublié de te demander comment monter Loulou. Bah ça va, là, il y a Doudou, il est devant le chauffage, il fait dodo. Et Tyrion, bah il fait dodo aussi. Tout à l'heure, au début du live, il a sauté sur Odex. Enfin, ça a dû se voir derrière d'ailleurs. Mais tu m'as tué. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle s'est pété le huc, la maminote. N'oublie pas la présentation. C'est fait, Céline. Tu vois, il est parti. Il est parti faire sa présentation. Ça sera fait, parce que comme c'est jamais clair, jour restant 3. Donc ça veut dire mardi, mercredi, jeudi. Et pas vendredi. D'accord. Ou alors il y a le lundi qui est compté dedans, ça fait que c'est mercredi. Je sais pas. C'est pas clair. On sait pas. On va aller voir dans le calendrier. C'est peut-être écrit en fait. Alors lui il a cours. Non, ils te mettent par défaut dès qu'il y a un horaire. Ça va être Noël! Ah oh bah dis donc, ça se voit vachement que c'est l'hiver chez eux. Bah si, c'est un peu plus grisâtre, quoi, mais ça se voit pas, il n'y a pas de décoration. Bon, et puis il va falloir relooker la maison, là, il y a trop de rouge, hein. Il y a trop de rouge, il n'y a pas assez de jaune. Faire une présentation. Oui, viens, mon petit! Bravo, Pulcote! Alors, la présentation s'est-elle bien passée? D'ailleurs, je me dis aussi qu'il va qu'on trouve un métal dans le coin là pour la truc, la cérémonie là. La cérémonie des lutins. Est-ce qu'il y a des trucs à creuser dans le coin ou y a rien ici, à part les plantes? Ah si, il y a un truc là. Viens creuser ici, comme les chiens. Viens faire. Et creuser comme les chiens. Je sais même pas s'il y a des. Ouais, je veux dire, à part ces plantes-là. Je suis pas sûre qu'il y a des trucs à creuser. Hein. J'ai pas trop évolué à Strangerville, j'avoue. Surtout dans ce quartier. Voisin-zin!
Oui, je le fais bien, mais en fait, c'est, vous saviez pas, mais je vous le dis, hein, c'est les Sims qui m'ont, en fait, ils m'ont embauché pour faire le bruitage des voix zinzin et voilà. Fallait que je vous le dise quand même un jour, quoi. Mais vous les bruitez pas parce que sinon, ça va faire des jaloux. Donc ça reste entre nous. Ça va, on n'est pas beaucoup. On est juste 23. alors, on va rentrer. Tu vas rentrer parce que ça sert à rien. Voilà, bah, il va falloir qu'on se déplace quand même et que je trouve un métal. Alors, tu vas faire tes devoirs parce que sinon t'es dans le caca mou. Tu dois robot de terre, de mer et de ciel. Tu vas me faire ça. Là, faire ses devoirs. Il est 15 h quasiment. Ça va. Il va falloir qu'on appelle ta copine hein, pour. Oh, il a reçu une augmentation! Super. Qu'est-ce qu'il a? Perdu un ami. Bah oui, mais c'est normal, Bordeaux. À ton âge, c'est normal de claquer. Alors, elle va prendre une douche. Ça t'occupera. On sait pas qui, hein. Moi, j'ai pas vu de. Ah, c'était Keflous. Je n'ai pas vu que quelqu'un était mouru. Donc ça doit être quelqu'un qui devait être loin dans les connaissances, quoi. Bon app, Quentin. Tu as donné de la mort aux rats, aux fantômes. Non, mais bah, j'en ai pas, Quentin. Chut. Ne parle pas de mes projets. Alors, il va au moins faire ça. Il va au moins bosser là-dessus. 25%. C'est tellement long. À 13 h 30, le cours d'après, c'est ça. Il faut qu'il refasse ça. Peut-être même pas. Hein. Peut-être que j'ai même pas besoin de refaire les devoirs. Parce que, imaginons, ils disent qu'il se reste 3 le lundi compris. Si à minuit, c'est 2. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ça fera donc. Enfin, on sait pas si c'est compris ou pas. Donc, moi, je sais pas si ça se termine jeudi ou mercredi. Donc, je serais obligée. Alors, et si je fais les devoirs alors qu'il n'y a pas besoin, je porte plainte. Oui, Almerine. Faut voir. Attends, ben, je sais pas s'il est en lien en dessous là. Ou alors c'est pas grave, faut que tu ailles voir sur. Si, si, il est en lien en dessous là où tu es. Tu regardes en dessous de l'écran et tu verras. Toi, dégage. Tu vas faire à manger. Soit au moins sert à quelque chose, quoi. Et lui est parti dormir. Tu me casses les pieds, Bordeaux. Oh, la vieillesse, hein, c'est plus ce que c'était. Oh, les vieux. Alors, vivement qu'il y a le tricotage qui arrive hein, pour les vieux. Comme ça, ils se mettront tous au tricotage. On aura la paix. Et 75%. Mercredi. Ok. La gravité, la relative. Il est 17 h. Il va faire un peu de fusée là. Allez, explorer l'espace. Tu vas installer un système de défense avec canon à ion. Allez. Il fera un devoir par jour, je pense que c'est large. Mais là, il faut qu'il avance, hein, c'est complète parce que sinon on va jamais y arriver. Il va arriver au niveau 8, donc ça c'est bien. Donc on sera bientôt au niveau 10, la physiologie, on n'aura plus qu'à explorer l'espace et aller sur Sixam. Je n'ai jamais été sur Sixam, je préfère vous le dire. Aïe! Attention, Nightbot a encore sévi. Ah, il faut pas poster de lien, hein. C'est interdit, ouais. Non, non, mais t'inquiète, Adrien, il y a le lien en dessous, donc il suffit de regarder et tu auras accès direct à Almerine. Il y en a un qui est passé. De lien? Je sais pas. Il y a des coyotes qui se baladent. Ou des hyènes, ou je sais pas quoi. C'est bien mon pull-cote. T'inquiète. Tu vas défoncer. Tu vas tout défoncer. En cours, dans la vie et tout ça. Lui, il est encore avec ses abonnés, là. Espèce d'accro à Twitter.
Il a froid, il doit pisser. On a dépassé le niveau 8. Donc je pense que... Et ça, c'est... On n'a même pas volé une seule fois, hein. Avec la fusée, c'est juste en ajoutant toutes les améliorations à chaque fois, hein. Donc c'est ça qui est beau. Ah, il y a peu tard peut-être pour appeler ta copine. Tu vas l'appeler quand même. En même temps, c'est ta meuf, elle a intérêt de venir. Hein. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si elle veut avoir du sexe gratuit, elle vient. Quelle horreur. Je dis des horreurs, je dis des horreurs. Ce live n'est pas sponsorisé. Ce n'est pas un Peggy 12, hein, c'est un Peggy 40. Ah bah elle dort. Donc on ne saura pas si elle est en cloque ou pas. Il y a un autre toilette. Oh là là, mais vous disputez pas pour des chiottes là. Il y a peau. Elle va pisser. Il y a Fana. Ah oui, parce qu'il y a Bordeaux qui y va. J'ai cru qu'il allait se laver les mains. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Il y en a plus de... Il y a plus de lavabo. Ouais, non, c'est bon. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Moi, je suis trop timide pour Discord. Mais non, t'inquiète. Tu as deux devoirs à faire pour le lendemain. Enfin, un. Et je pense que l'examen sont demain. Je pense aussi, parce que c'est jamais très clair. Hein. C'est normal, c'est Nightbot qui les fait passer. Ce sont Yann Charlie. Ah oui, c'est Nightbot. Oui, c'est Nightbot qui... Oui. Oui. C'est une Peggy, la cochonne. On va dire ça. On t'a mangé, tu vas faire des proutes. Non, tu nettoies pas, on s'en fout. Allez, tu vas te prendre une douche et tu vas te pioter. C'est encore une journée qui sera vite passée. Hein. Regardez-moi les vieux, là. Ils ont rien à faire de leur... Ils ont rien à faire de leur vie. On dirait... Heureusement que eux, je les ferai pas en fantôme, hein, je vous le dis direct. Les tombes, elles seront dans l'inventaire, comme Bordeaux, il a déjà dans l'inventaire ses parents. Hein. Ça, c'est hors de question que je les plante dans les jardins, parce que j'ai pas envie d'avoir des fantômes de... qui viennent tout péter tout le temps. Ça m'agace au plus haut point. Le décaisse, je veux bien, parce que je savais pas ce que ça faisait d'avoir autant de fantômes. C'est marrant, parce que quand j'avais fait mon Legacy, moi, j'avais pas les fantômes qui venaient tout casser. Sans blague. Je vous jure. Voilà, il est parti se coucher. Mais pourquoi? Mais... Ah, je sais. Oui, je me prends la tête avec mon clavier. J'appuie sur les touches, en fait, de vitesse, et ça me faisait les murs. C'est pour ça que je comprenais pas. Bon, si tu veux niquer... Allez, Bordeaux, il veut niquer. Pardon. Bordeaux, il veut compter fleurette. Oh, c'est tapis, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle a? Il va compter fleurette. Mais faut pas y aller trop fort, hein, parce que... On pourrait claquer tous les deux. Remarquez, les deux qui claquent en même temps, on serait débarrassés, hein. On serait tranquille. C'est comme le chat, en fait, de parler dans Discord. Tout à fait. C'est comme un chat, voilà. Après, il y a aussi possibilité de faire des vocales où on peut parler en direct sans forcément être en live sur Internet. On peut juste parler entre nous et tout ça, et ça peut être très sympa. Et t'as plusieurs salons pour discuter de tel sujet ou d'un tel sujet. Et un truc que j'ai pas fait, dis donc, que je me rends compte que maintenant, c'est mettre l'éclairage automatique pour sa chambre à Pulco. Il est temps. Je n'avais pas fait. C'est vrai que... C'est vrai que je l'avais point fait. Pourquoi ça s'allume chez eux maintenant? Il va mourir? Non. Mais couche-toi! Oui, oh bah écoute, tu viens de tirer ton coup là, papy. Tu peux plus le faire plusieurs fois comme tu faisais. Hein. C'est fini ça, hein? T'as plus la santé. Hein. Ça va être Noël et tout, j'hallucine. Ça va être Noël! Dans les Sims, hein, bien sûr. Ah oui, Céline, ça serait cool. Je vous raconte pas la galère pour sortir du bain sans aide. Oh merde, t'as réussi, Yanana. Mais il faut que tu te prévois une poulie, tu sais, avec une corde, là. Non, puis en plus, ça doit glisser et tout. Ah ouais, ça doit être chiant. T'as encore des salons vocaux? Oui. Bah là, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas beaucoup été à cause du calendrier de l'Avent, que je passais plus trop. Mais ouais, là, on en a refait un autre il y a pas longtemps avec Marie.
On a papoté tout ça. Après, c'est ouvert à tout le monde, hein, vous pouvez venir. Hein. Même si je suis pas dedans, vous pouvez vous mettre en vocal et discuter entre vous. Bonne up, Mina, plus. C'est bon, j'ai réussi, j'ai juste pas prévu. J'ai juste pas prévu que mon mari allait s'endormir. Ah! Ah oui, d'accord. En espérant que... Bah, sinon, tu cries, hein, il se réveille. Hein. Tu sais, tu devrais mettre une alarme, un truc comme ça, t'es sûr que tu... Et là, il se réveille et puis il vient t'aider. À quelle heure t'es avec ta cour, toi? Ah, mais ça va, c'est à 13h30. Ouais, bah c'est cool. Ah non, il y a 11h, pardon, j'avais pas vu. Donc c'est bien 2. Alors 2. Je sais pas, ça... il faudra qu'on fasse attention quand ça arrivera à 0. Alors toi, tu vas. Toi, tu. Oh, oh! Il veut se tuer, hein, Bordeaux, moi je vous le dis. Hein. Bordeaux, il veut se tuer. Non, tu veux pas faire de PC. Ah, tu t'ennuies. Bon, allez, rapidement. Oh, mais pourquoi je misclique à chaque fois? Tu vas jouer à Blick Block. Allez. Tu vas te détendre 5 minutes. À 11h, t'as cours. Voilà. Allez, hop, c'est fini. La meuf. Et tu vas faire tes devoirs. Alors. C'est lequel déjà? J'ai oublié. Il a... Et ouais. J'ai pas fait ces... J'ai loupé. J'ai cru que c'était le mercredi, c'était le mardi. Dompter les atomes. J'ai merdé. Allez, fais tes devoirs tout... Immédiatement, Pulco. J'ai merdoyé. J'ai merdoyé. Heureusement qu'il a pas cours à 8h, ce... Voilà. Vaut mieux que tu fasses la présentation... Ah mais elle est déjà faite, la présentation! Eh mais don't worry, la présentation est faite, hein! Dissertation et présentation, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. On l'a faite le jour d'avant. Pour lequel, je jamais, car j'ai l'accent du sud, donc j'ai l'impression d'être à part à chaque fois, puis mon micro sur Discord marche mal. Ah, mais t'inquiète, Nami. Voilà, Ina, elle vient plus, mais elle a un petit peu l'accent, et encore pas trop, ça va. Mais t'inquiète, tout le monde a un accent, tu peux pas inventer quelque chose que tu n'as pas, tu vois, tu t'as ton accent, t'as ton accent, ce sera sympa. Je te l'avais dit pour les devoirs. Ah oui, merci, un ami, punaise. Ouais, j'ai merdoyé. Tout le temps, tu me l'as dit, mais... Écoute, regarde, il y a moyen qu'on y arrive 50%, il est 9h, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis il est motivé, là, et tout, il va y arriver. Personne vient l'emmerder, personne vient lui parler. Anniversaire du patron. Ouais, c'est juste au moment où je dis personne vient l'emmerder. Quel est votre avis? Elle vient faire quoi, elle? Anniversaire du patron. Bordeaux veut offrir un cadeau anniversaire à son patron. Faut commander sur Internet. Toi. Ah non, elle va aller sur le PC. J'ai rien dit. 75%. Oui, c'est Noël. 75 fois. Allez! Oui! Tout juste Auguste! Bravo Pulco! Bravo Pulco! Dans 49 minutes, il va te. Alors, tu auras juste le temps d'engouffrer un raisin et d'aller aux toilettes. Hop! Et de venir là. J'aurais voulu appeler ta copine, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Un raisin au goût de pipi. Ah, là, il a déjà mangé. Et j'ai même un quart d'heure d'avance. Allez, tu vas l'appeler. On va la faire venir, on va voir si elle a un gros bidou ou pas. Mince, on a laissé pourrir les pâtes. Les pastas. Oh, c'est nul. Non, tu t'en fous de ta mère. Allez, vent court. C'est un oui! Et voilà, il a marqué un but! Regardez ce petit bidou de l'amour! Ta 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 ta! Oh oui, la descendance est en route pour Pulcotte. Ça, c'est cool. Donc, bah, va falloir qu'on... Ah d'accord, parce que là j'ai dit bonjour à qui là? Au tapis de course? Aux fougères?
Oh my god, quoi. Regardez-moi. Elle est dans tous ses états. Bon, bah écoute. Tu vas avouer ta peur des vampires. Comme ça. Direct. Parler de la pluie. Parler. Illuminer la journée. Complimenter. Écoutez, j'ai que ça à faire. Mince! Écoutez activement. J'ai oublié. L'angoisse. Nobu, oui! Petit bébé en route! Marie, coucou, comment ça va? Je t'avais pas vu arriver. C'est qui la fille? La fille qui? La fille où là? La blonde? T'étais pas là au dernier épisode, Marie? Oh, Marie, si tu savais. Elle va être marrante à gérer avec les traits qu'elle a. Ouais! Ouais, marrante pour qui? Pas pour moi! Hein. Chouchoubi Marie. Yes, c'est temps de faire un brainstorming pour trouver un prénom. Tout à fait. Ça va être. Oh là! Et attention, la vieille là! Se renseigner sur le diplôme. Discuter des centres d'intérêt. Parler de la température fraîche. She's fresh, so fresh! Après, t'iras te laver et tout, hein. On va pas te laver là-dedans parce que c'est nul. Vu que ils ont fait des résolutions de bugs de merde. Ah, voilà l'homme de la situation. Regardez comme il est beau, comme il est fort. Il va être papa. Ah, qu'il est fort. Alors, je regarde bien sûr les cours d'après parce que bon. 22h, 2h. Attendez, non. Donc non, il a encore cours à... Il a encore cours. Je sais plus. Je suis perdue, moi. Je suis perdue, je ne sais plus. T'as besoin de quoi? T'as besoin... Il va manger. Il va manger un truc. Tu vas demander à elle... Apprendre à demander de partir, tu sais. Il l'a appelé avant de partir. Et puis après, elle est là. Il fait bon, bah, tu peux te barrer. On a juste voulu vérifier que t'as été bien engrossée. Et puis voilà. Oh, c'est tout mignon. Bien sûr, elle passera par la case relooking, hein, faut pas déconner. Oh, 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 c'est beau, la mûre. Attendez, ça va être la petite... peut-être la couverture de... La miniature, attendez. Hein. En direct, hein, vous voyez les miniatures être faites. On va pas demander de regarder... Regarde, elle a la gerbe, Pulco, ça te donne pas un... Alors, en plus, elle a vomi dans sa bouche et il lui roule un patin après. Magnifique. Est-ce qu'on attend avant de la faire emménager? Ouais. Hein. J'ai pas envie de la faire emménager tout de suite. On attendra un petit peu. On la fera emménager le mercredi, là, dans un jour. Voilà, quand même un beau petit bidon. Hein. On pourrait croire qu'il y en a plusieurs, mais comme elle a déjà un peu de bidon avant... Puis moi, les jumeaux, c'est tellement rare. Il va être papa Pulco. Mais hier, il faisait caca dans son pot dans le salon. Bah non, justement, il a grandi, tu vois, c'est un homme. Un homme, un vrai. Il est fécond, les résolutions bug, parce que, ouais, la vitesse un peu... Ah oui, bah ouais, avec la douche, c'est chiant. Je sais qu'on va te faire chier celle-là que c'est très pourri. Oui. Il doit aller en cours! Oh! 15 minutes de retard. Pulco! Pulco! Les cours! On s'en fout de ta meuf. Ah! Oh! Oh! Vous avez senti la sueur froide là? Regardez, elle est mignonne, elle met les poubelles à la poubelle. Elle fait quoi, elle? Mais hé, ils veulent se tuer, hein, les vieux. Hein. Moi, je m'en fous, hein, je les laisse faire. Hein. Ouais, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Tu verras, à 4h du match, je serai toujours réveillée, hein, par contre. Hein. Se disputer à propos de la carrière. Non. Bah, regardez, là, je veux mourir. Oh. Comment s'est passée la journée? Est-ce que tu peux demander qu'elle habite...
Ouais, non, j'avais dit que je la ferais pas habiter tout de suite. Mais je suis bête, moi, un peu sur les bords, non? Ouais, hein, je suis un peu bête. Hein. Donc là, il n'est pas encore en examen. Donc là, il est en cours. Là, lui. Ça veut dire que le 2 jours, le jour auquel on est, n'est pas inclus. D'accord. Donc, genre le vendredi, là, on n'a pas besoin de faire ces devoirs-là. Parce que logiquement, on aura l'examen là. Et là, on aura un autre devoir à faire, quoi. Et en rentrant, il devra faire électromagnétisme pratique. C'est quelque chose quand même, tout ça. Ça passe trop vite, c'est ça. C'est l'amour, le vrai. J'ai hâte de voir ce que ce sera. J'ai pas d'idée de nom avec la couleur grise. Alors, c'est gris. Attendez, je vais vu. C'est pas que je vous crois pas, hein. C'est juste que je vais voir de mes propres yeux. En plus, j'y suis allée tout à l'heure, j'ai complètement zappé de regarder l'ordre des trucs, mais tout va bien, quoi. Ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte, ça pue. Alors, menthe rose, donc rouge, jaune, gris. Ah oui, gris. Ah oui, bodybuilder, je l'avais vu. C'était trop drôle, ça. Ouais, donc de toute façon, la génération jaune, le seul truc, c'est grand-parent. Donc, gris, bah écoutez, qu'est-ce qui pourrait être gris? C'est une bonne question. Champ lexical du gris. Faudrait regarder le champ lexical du gris. Voilà, Pulco a fini! Bravo, Pucotte! Là, il va faire. Et puis, il faut qu'il fasse celui-là, d'ailleurs, derrière la gravité, derrière la relativité. Sent bien? Oh, il sent bien. Il se sent bien. Alors, électromagnétisme pratique. Le pauvre. Voilà, tu vas faire celui-là déjà. Champ lexical du gris. Je vais regarder sur internet. Alors, champ lexical. Bon, j'ai marqué mot gris. Dictionnaire de rimes. Mais non, je m'en fous. Alors, il y a anthracite, ardoise, argenté, cendré, pelage. Perle, ça peut être blanc, hein, si ça dépend. Étain, plomb. Là, il marque ventre, pourquoi? Pourquoi ventre? Ventre gris. Ouais, non, mais là, c'est un peu bizarre, là. Ah oui, de la couleur, là. Oh, on fait ça en live, on s'en fout, nous on est comme ça. C'est compliqué. Après, ce qui est gris, ça peut être une souris, vous voyez? On s'en fout, on fait des trucs comme ça, nous. Gris comme une souris, gris souris, gris perle. Oui, bah regardez, on peut mettre souris et perle si c'est une fille déjà. Attendez, j'ai pas. Christian Grey. Ah non, 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 ça je. Non. Non, non, non. Ilouit, c'est gris en gallois. Ah, d'accord. Non, Christian Grey, c'est pas mon genre, donc non, non, il n'y aura pas de Christian. Ça, c'est clair et net. Ah, Silver, ouais, voilà. Pour un gap, Silver, c'est pas mal. Pilka, c'est gris en lituanien, d'accord. Voyez, vous avez commencé à trouver. On va y arriver. Souris, mouse, Mickey. Mini, alors. Mini pour une fille. Et Mickey et Mini. Regardez, s'il y a un garçon et une fille, c'est Mickey et Mini. Pourquoi? Bah parce que Mickey Mouse, Minnie Mouse, c'est les souris, les gris souris. Oh, on part loin hein, des fois dans le délire, nous, hein, j'ai l'impression. Hein. Tu peux écouter de la musique si tu veux. Hein. Écouter de la musique de jardin. De la musique de jardin. T'as fini tes cours? Pas tes devoirs? Non, il faut qu'il soit plus près pour écouter. Il est comme moi tout à l'heure. Oh. Non, Bordeaux. Bordeaux, il va claquer. Bordeaux, son cœur, il va pas tenir. C'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas-là, pour les prénoms, on va pas faire des prénoms qui finissent en O. Parce que Bordeaux, Pulco, Coquelicot, ça fait un peu trop, hein. Voilà. Voilà.
Mickey Mini Silver Mini, j'aime bien et pourtant j'aime bien la... il aime bien la fessée, il me semble. Enfin, j'ai pas vu le film, je sais pas. Ah oui! Christian Grey. Enfin, j'en sais rien, moi j'ai ni lu ni regardé. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Donc, je t'ai déjà dit de pas emmerder ton fils. Alors lui, il va s'asseoir là, et puis là, pour faire ses... Oh, il m'énerve. Il me stresse. Bon, dépêche-toi, Pulco! Je crois que c'était pas forcément une bonne idée de faire... Bon, c'est la seule fois où je le ferai dans ce challenge-là. Ça prend trop de temps, l'université, on a le temps de rien derrière. Hein. Voilà, alors, il a fait... Et il a cours après gravité et relativité générale. Alors, tu vas enchaîner. Voilà, j'espère qu'il aura des bonnes notes. Hein. Je vous le dis, hein. Galère. Hein. Galère! Semestre restant! Jour du semestre 1. Donc le jour n'est pas fini. Tout à l'heure, il y avait 2. Pourquoi c'est 1 maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu sais pas quoi faire. Non mais arrêtez de vouloir vous tuer. Vous venez nettoyer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non. Oh là 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 là. Va pisser. Vivement qu'ils crèvent, les vieux. Cendrillon pour une fille, la cendre s'aigrit. Ah, peut-être, ouais. T'as pas vu ma proposition de Jerry? Non, mais ça défile trop vite. Jerry, pourquoi? Tata yo-yo. Attends. Même cendre, c'est joli pour une fille. Ok, Céline, à tout à l'heure. Tom et Jerry. Jerry. Ah, attends. Ah oui, alors mais c'est lequel des deux? C'est la souris? C'est Jerry la souris? Ou le rat? Le rat. Le gros rat dégueulasse. Vous voyez, on commence à trouver des prénoms. On trouvera, on trouvera. Puis tout à l'heure je bug, là je suis en réflexion et du coup je les laisse parler. Va pisser toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a cassé. Ah, le lave-vaisselle est cassé, Pulcote. Tu devras aller le réparer. Allez, fais tes devoirs, mon chou. Après, tu iras réparer ça. Heureusement qu'il est là dans cette famille, ce garçon. Voilà. Terminé, terminé, terminé. Ok, on est bien, on est à jour. Voilà. Non, tu vas pas parler à ta mère. Au pire, tu manges ça, les haricots saucisses. Voilà, il a faim. Ah voilà, ça y est, il pète. Ça y est. Très bien, il a besoin de divertissement. On va rappeler Nathalie pour surveiller sa grossesse. Qui ça? Qui c'est qui est mort? Antonio. Oh, Antonio est mort. Quelle tristesse. Non, tu parles pas à ta mère. Qu'est-ce que tu pourrais faire rapidement? Bah, pas grand-chose, hein. Oh là, on avance vraiment pas beaucoup. Hein. Alors, comment ça va? Ton bidou n'a pas beaucoup grossi. Hein. Voilà. Dormir ici? Oh, génial! Demander à jouer aux échecs. Ouais, très bien. Voilà. Très bien. Parce que là, faut bouger un petit peu tout ça. Hein. Faut secouer le coco. Hein. Sinon, il y a Bugs Bunny qui aigrit aussi. Quelle culture. Ah, ben voilà! Speedy Gonzales. Ratatouille. Ah, ça y est, on est parti sur les. Tom, c'est le chat. D'accord, ok. Et le chat, il est noir et blanc, je crois. Hein. Sinon, Bernard et Bianca. On est parti sur full souris, hein, je vous le dis dans le chat, là. Ou Basile de Basile Détective. Speedy Gonzales. Voldemort, il aigrit aussi. Voldemort. Pikachu est techniquement une souris aussi. Oui, elle est jaune! Alors, eh, voilà, il fallait le pré. Eh, pour Pulco, il fallait dire Pikachu. Moi, je l'aurais pris dans le champ lexical là, du jaune, c'est parfait. C'est une souris, Pikachu? C'est une blague? C'est pas censé ressembler à une bestiole existante, hein? Bon, allez, vous allez niquer un coup là. D'accord, va manger. Va manger, va manger, va manger, va manger, va manger, va manger. T'iras niquer un coup après. Minuit et demi. Oh là là, je suis même pas sûre que t'aies le temps de niquer, dis donc. Est-ce que? Non, ça va. Je crois qu'il a compris qu'elle était enceinte.
Voilà, ça va être bien le mercredi parce que elle adore là. Est-ce qu'il a ses examens, je pense, déjà, qu'il va faire. Puis aussi, on n'a pas de métal, hein. Il faudra de la bouffe et tout pour le. Pour l'ordre de l'enchantement, hein. Parce que. Ah oui, non! 5 jours, ils mettent, mais c'est ce soir, c'est ça que je veux dire. On devra aller là-bas, hein. Allez, on va niquer. On va niquer dans le lit tout doré. Toi, tes cheveux bleus, jaunes et mes choix et moi et mes cheveux dorés. Ouais, je sais, je fais encore la rime du doré. Ouais, mais c'est comme ça. C'est une souris électrique. Dans le design, il s'inspire de leurs animaux. Ah, d'accord. Pour perpétuer l'héritage de son père. Je vais chercher les mentales. Oh, miam. C'est son ennemi dans la série, c'est Miaou, c'est un chat. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Gribouille, ça commence par gris. Ouais, ça a plus un nom de chat, hein, Gribouille. Hein. Ah, ça s'est bien passé tout ça. Tu me fatigues, Bourdou. Franchement, quand est-ce que tu meurs? On a encore le temps. Allez, le vieux. Hakeno. Rattus, le héros de mon enfance, il est vert, mais c'est un rat. Non, mais on va peut-être pas partir sur tout des trucs de rats, hein, parce que c'est. Nuage, parce que quand il y a du neige, il fait gris. Ah, c'est joli ça. Hop. La femelle chat des Aristochats, elle est grise, non? Dex pour la blague. Ouais, mais Dex, il est blanc et noir. Noir et blanc, plutôt. Duchesse ou Marie? Les deux sont blanches de toute façon. On est parti sur un truc très très animal quand même, hein. Mais why not? Après, on a. Ah, si, il va falloir qu'on se concerte, je pense. On va peut-être faire la naissance du bébé et puis après. Voilà! Vous voyez ce que je veux dire? Eh, va te laver, va manger, va pisser. Fais ta vie. 3h30 du matin. Père un être cher. Mais qui? Ah si, c'est Antonio. C'est Antonio qui est mouru. Primrose aussi. Bria aussi. Quentin! Il est décédé aussi déjà la dernière fois. Damien, Emmanuel, Théo. Il y avait beaucoup de monde hein, qui sont morts. Hein. Des gens qui. Déjà, ils connaissent beaucoup de monde. Et il y en a beaucoup qui commencent à mourir. Ouais. C'est la vie. Pauvre Lucette. C'est triste. Hein. Ah, pareil, lui va aux toilettes avec sa bouffe. Est-ce que vous aussi, vous mangez quand vous êtes aux toilettes? Dans les commentaires, tapez 1 si c'est le cas. 2 si c'est pas le cas. Otari séché. Oh! Berlioz est gris. Vous me rassurez, vous, dans le chat, vous me rassurez. Ils votent non, hein, en général. Otari séché. Berlioz, c'est joli. Mais je suis pas sûre d'arriver à le dire tout le temps dans le bon sens. Toi, sinon, je l'appellerais Blériot. Blériose. Berlioz. Berlioz. Ah, Quentin mange quand il va aux toilettes. Voilà, vous aurez l'information. Ah non, trop tard, Quentin. On a tous vu. Hein. Pardon. Toi, tu feras le ménage après, vu que tu t'ennuies. Il pose l'assiette comme ça sur le tapis de bain. Il est sénile! Bordeaux devient sénile! Il va te manquer, hein, Brodo, mon petit Quentin. Quand il sera parti. C'est Noël! Waouh!
veut encore se suicider. Alors, on va aller chercher. Je crois qu'on avait mis de côté le sapin. Il me semble hein, qu'on avait mis de côté le sapin. Oui, nous avons le petit sapin. C'est quoi ces baraques où il n'y a pas de place, quoi? Que ferait-on si on n'avait pas le bébé Move Objects? Je vous le demande. On se ferait chier? La vie, les Sims n'auraient pas la même saveur. Ça gêne pas si je le mets là? Mais je vais en profiter. Pour relooker un peu. Retour en 1980. La kitchen. Ah oui, mince! Oh, c'est pas grave, je le ferai après. Je le ferai plus tard. Il y a du bois jaune si tu veux. Avec un toit un peu vert, ça passe. Je suis pas convaincue par le toit. Eh ben, c'est pas grave, Marie. Parce que t'es pas obligée de jouer avec la maison. La connasse. Oui, c'est moi! Non, je rigole. Ouais, j'ai oublié la cuisine. C'est pas grave. Allez! Et le tapis ici, mais Bordeaux n'est pas mort! Donc on peut garder une touche de rouge. Donc du coup, il a cours, il a quoi là? Attendez, cours dans 3h, 9h30, 8h, ok. Ok. Très bien. Tu vas jouer. Faut que je fasse emménager la grosse vache là. Là, l'amour! Bah va pisser, cocotte! Oh, ce bidou. Ouais, à mon avis, elle est pas loin là. Oh la vache! Le bébou va arriver! Le papier des salles de bain. Oui, non, cette violence, pardon, Marie. Non, mais ça te stresse. C'est vrai, non, mais je trouve que ça va. Ça passe, hein. C'est mieux ça qu'un truc que le toit de chaume jaune, quoi. Je veux dire, ça va, hein. Vert, ce serait bizarre. On verra. De toute façon, il faut quand même garder des petites touches de rouge. Alors, elle est là. Ah bah bravo madame! Je vous ai entendu, hein! Dégueulasse. Alors, tu vas l'inviter à emménager. Elle est pas encore prête à accoucher, hein. Elle a pas encore les contractions. Je suis même... Je pense qu'elle est même pas au troisième, hein. Honnêtement, je pense pas... Ah oui, il y a le sapin! On va pas avoir le temps. Oui, elle veut bien! On a le droit de prendre ses sous? Je sais pas. Des jumeaux, des jumeaux. J'ai fait une maison jaune à toi. Ah oui, t'en as fait! Ah! Bah, peut-être que je. C'est pas le bon toit, alors que j'imagine. Ça passe, c'est. Ça passe, c'est ton sur ton. Oui! Moi... Ah, salut, Nouze! Je t'ai pas vu, Nouze! Je t'ai pas vu arriver! Mais ouais, je trouve que ça passe. Du coup, pensez qu'on puisse prendre les sous ou pas? Quentin, il dit oui. Je suis pas sûre, hein. Qu'elle est toute seule dans son foyer. Au moins, ça veut dire qu'elle a pas eu de gosse avant. On sait pas, hein. Je vais pas les prendre comme ça.
Au pire, c'est pas grave. Non, oui, on a les sous. Mais je vais pas les prendre. Voilà, je vais faire le ERP. Hey, c'est qu'une étudiante, hein, elle a pas d'argent, hein. Alors, troisième trimestre dans 7 heures, je le savais. Je le savais que. Ah oui, du coup, il va. Oh là, vas-y. Il faut que tu ailles en cours. Il est 8h01. Je suis juste ce qu'il faut. Tu vas aller en cours. Il va falloir qu'on fasse le sapin. Et puis, je vais la relooker. Alors, sapin. Réunissation avec tes courages. Mais pourquoi moi j'ai des sapins qui déconnent en fait? Là, il n'y a rien sur le sapin. Bah, écoutez, on va le vendre. On va en racheter un nouveau parce que. Moi j'ai des bugs avec les sapins dans les Sims. En fait, dès qu'il a été utilisé, on peut pas le recycler, en gros. C'est débile, hein. Décoré avec couvre-fin. Rouge et doré, blanc et doré. Bah blanc et doré, puisqu'on est encore avec la génération au jaune. Bravo, hein, madame. Voilà, ils sont en train de faire le sapin. Décoré avec guirlande. Allez, rouge et doré. Pour faire la génération rouge et blanc et jaune, à petits pois. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a toujours que trois couleurs, en fait. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de diffé... qu'on puisse vraiment faire des sapins avec plusieurs couleurs, en fait. Mais bon. Ornement blanche et dorée. Ce sera déjà bien. Mais ici, ça c'est mes Sims. Ce qui était dans l'inventaire, j'ai eu le même souci. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on peut pas les réutiliser en fait. On est obligé de les jeter pour les remettre. Bon, alors. Elle va arrêter ses études parce que ça sert à rien. Elle a un peu de charisme. Oh, recherche et débat. 7 en logique! Voilà. Et l'autre, elle arrête pas de péter. Le dernier Noël de Bordeaux. C'est vrai qu'il est en examen. Il est en examen, les enfants, on avait raison. Dernier jour. C'est absolument pas logique, leur truc. Et là, il disait qu'il en restait 3. Là, il disait qu'il en restait 2, puis 1. Ok, c'est bien mon pull cotte. C'est bien mon pull cotte. Tu as bien travaillé. Anigne. Là, c'est maintenant. Tu vas pouvoir aller en cours. Allez hop, t'enchaînes mon chou. C'est les examens. Je suis fière de toi, pull cotte. Yes, c'est les examens. Bon, voilà le petit, comment il s'appelle? Le petit sapin. Tu vas allumer le sapin. Et pas allumer le feu, s'il te plaît. Et on peut mettre des cadales? Attends, toi, tu peux que admirer. Bah. Ah. Plus de choix. Placer un tas de cadeaux. Les cadeaux! Je peux plus décorer les sapins, moi non plus. On les connaît, alors éducation fine et délicate, c'est ça. Saboter le sapin. Non, on va pas saboter le sapin. Hors de question! C'est mignon, là, ils ont fait des papiers des cadeaux de différentes couleurs. Maintenant, tu vas ajouter un cadeau. Ajouter un cadeau. Allez, vous ajoutez des cadales. Ajouter un cadeau. Ajouter un cadeau. Toi aussi, tu vas ajouter un cadeau. Genre, ah non, c'est la grande nouvelle. Ah, au fait, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ajouter des cadeaux. Ah, c'était ça! On pensait que t'avais un sacré problème d'aérophagie. Non, mais elle, crédit de cours 1 sur 12. Elle repart pas à l'école, hein. Elle repart pas en cours, on va la faire bosser. Et son troisième trait! Oh putain, mauvaise réputation! Elle est ambitieuse et sociable. Bon, c'est pas trop négatif, ambitieuse, c'est bien. On va juste trouver un travail pour elle. Donc, froide, paranoïaque, ambitieuse, mais comme elle a déjà pas mal de points en logique, charisme et recherche et débat, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? C'est mignon les petits cadals.
C'est trop choupi. C'est trop choupi. Tu vas rajouter un cadeau. On s'en fout. Plus il y a de cadeaux, plus on est content. Ça se voit pas. Un cadal, un chatal, le dit Cochorlet tout le temps. Oh, oui. Je crois que c'est Antoine Daniel, à un moment, il a parlé un truc comme ça en hal au lieu de haut. J'étais là, mais il me pique, montre. Alors que franchement, c'est pas original, mais c'est tellement ancré dans mon. Que je veux dire, je suis tellement en train de dire ça tout le temps maintenant, naturellement. Et il est revenu, j'avais même pas vu. Que bah, je fais même plus attention. Enfin voilà, c'est mon langage, quoi. C'est même plus quelqu'un. Carrière juridique, politique, juriste. Charisme, c'est bien. Pour pas mal de boulot, c'est pratique. On va lui faire. Voilà, on va attendre les résultats. Elle aura une mauvaise note, mais on s'en fout. Elle va avoir un job après. Tire à pipiter si tu veux, hein. Puis après, il va falloir la relooker. Je vais la relooker avant qu'elle accouche, je pense. Qu'est-ce qui c'est qui est mort? Jean-Pierre! Jean-Pierre nous a quittés! Voilà. Jean-Pierre nous a quittés. Tu vas ajouter des cadeaux aussi. Ben moi, j'avais pas de sapin, hein. J'avais pas autant de cadeaux, hein. J'ai eu un cadeau. C'est déjà bien. Bah oui, il est mortadelle, Jean-Pierre. Prof. Politique juridique. J'aimerais bien, ouais, juridique. Dans ce cas-là, on va peut-être essayer. Mais il faut attendre, ouais, parce que pour qu'elle se lance dans un job. Alors, maintenant qu'il. Ouais, parce qu'elle est toute neuve, hein. Elle va nous rester longtemps sur les bras avec la génération d'après, hein. Cocotte, tu vas aller te prendre une douche. Mince, j'ai laissé le truc au-dessus des toilettes. Et puis, on va faire changer le Sims. On va la relooker. On va aller voir ça. On va décider quelque chose de plus sympa. Fini les knackis. Fini les knackis. Et ouais, c'est triste, hein. Pauvre petit Jean-Pierre. C'est pour que Pulco s'admire quand il fait pipi. C'est exactement ce que j'ai pensé, Marie. Pas que Pulco, hein, il y a aussi son père. Bon, toi, au lieu de rien foutre, là, va travailler. Alors, bah, tu vas continuer le système de défense. J'étais là. Merde, il n'y a plus d'amélioration à faire. C'est grave possible, en plus, hein. C'est grave possible. Parce que la prochaine étape, c'est le petit Nobu. Le petit Nobu. Non, c'est là. Troisième trimestre dans 2 heures. Donc, elle accouchera à 15 heures. Ok, ouais, on va se faire une journée en plus. On va accoucher. Enfin, on va accoucher. Elle va accoucher. Et puis, on s'arrêtera là pour le live. Et cucu mes petits queues, c'est ici que va s'arrêter la première partie de ce live parce que j'ai joué 2h30, donc c'est très très long en rediff. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite et la deuxième partie de cet épisode. Je vous embrasse très fort, à bientôt.